Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo Minecraft dans laquelle je vais t'expliquer comment construire une usine hyper facile pour avoir des membranes de fantômes. Vous savez, ces mobs qui spawnent quand vous ne dormez pas pendant 3 nuits d'affilée. Eh bien ça va être exactement ça. Cette usine va vous permettre d'avoir des membranes hyper facilement. Ces membranes, elles vont vous servir soit à faire des potions ou soit à faire des électras, à les réparer. C'est quand même assez important et comme c'est assez chiant à trouver dans la nature, eh bien on va faire une petite usine. Sans perdre plus de temps, c'est parti. Ok les gars, donc là on est sur Minecraft et je vais vous apprendre à construire cette usine. Donc pour construire cette usine, il vous faudra juste tous ces éléments. Donc 40 blocs de verre, donc de n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance. 36 fences, donc les petits portails. 6 barres en fer, une porte, une trappe d'or, 2 seaux d'eau, un stack de blocs temporaires. Donc on va tout prendre. Ok, donc pour commencer, vous allez prendre tout simplement vos blocs de verre et vous allez faire une petite tour comme ceci. Un petit carré comme ça. Une fois que vous avez fait ce petit carré, vous allez le monter de 3 de hauteur. Ok, donc une fois que vous avez le carré de 3 de hauteur, vous allez prendre vos fences et vous allez en mettre tout autour de votre carré, comme ceci. Ok, donc une fois que vous en avez mis tout autour, il faut pas oublier d'en mettre dans les coins, comme ceci. Ok, donc une fois que vous en avez mis partout autour de votre petite tour, vous allez tous les ouvrir. Ok, donc une fois qu'on a tout ouvert, vous allez prendre vos blocs de terre et vous allez monter. Vous allez sur la petite tour et vous allez prendre vos blocs de terre et vous allez poser un bloc de terre au-dessus de chaque fence à l'extrémité, donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Vous allez redescendre et vous allez reprendre vos fences et vous allez en mettre tout autour, comme ceci. Maintenant que vous avez posé toutes les fences, vous faites comme en bas, vous allez toutes les ouvrir. Ok, donc une fois que vous avez ouvert toutes vos fences, vous allez remonter en haut et vous allez enlever tous les blocs de terre dans les coins. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Une fois que c'est fait, vous allez prendre un bloc de dirt, vous allez le poser et mettre une barre au milieu. Vous allez tout simplement redescendre et créer une source d'eau infinie. Vous prenez vos deux seaux d'eau, vous en mettez un sur le côté et l'autre sur l'autre et ça vous crée une source d'eau infinie. Vous posez un seau d'eau dans un coin, l'autre dans un autre. Vous reprenez de l'eau, vous en mettez dans les autres coins. Parfait, donc là, j'ai mis de l'eau dans tous les coins. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre mes blocs de dirt et je vais en poser un sur une des fentes, comme ceci. Maintenant, vous reprenez vos blocs de verre et vous allez faire le tour avec. Parfait, une fois que vous avez fait le tour avec, vous prenez vos iron bars et vous en mettez tout autour. Ok, parfait. Donc là, on a fait tout le haut de la base, donc vous pouvez enlever tous les blocs temporaires qu'on a mis. Ils ne nous serviront plus à rien. Une fois que vous êtes là, vous allez faire un trou dans la tour qu'on a fait au début. Vous allez prendre votre trappe et votre porte et poser votre trappe sur le premier bloc au-dessus, comme ceci. Vous pouvez la fermer, l'ouvrir, pardon, et vous allez poser votre porte pour pas que les mobs vous tuent. Donc vous rentrez, vous fermez la porte pour pas que les mobs vous tuent la nuit, vous sautez et vous fermez en même temps, comme ceci. Une fois que vous êtes ici, il va falloir déjà ne pas dormir pendant 3 nuits avant de venir dans cette usine et prendre une épée looting 3, ce qui va vous donner plus de membranes de fantômes pour chaque fantôme tué. Il faut que ne pas dormir pendant 3 nuits. Une fois que vous n'avez pas dormi pendant 3 nuits, vous venez ici, vous vous enfermez, vous sautez, vous fermez et vous attendez que les fantômes viennent pour les tuer. Finalement, j'ai fait le petit test sur mon monde survival à moi et ça a plutôt bien marché puisque en une nuit avec une épée looting 3,
j'ai réussi à avoir 8 membranes de fantômes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Ça me soutient énormément. Ça m'encourage pour de prochaines vidéos. J'espère que vous allez passer une excellente journée. C'était Algenius. Allez, ciao !